Après ma rétrospective sur le tout premier Halo, que je vous invite à aller voir pour comprendre l'origine de la série en l'étudiant sous toutes les coutures, il était temps de se donner un plus grand challenge, tester la Master Chief Collection. Cette collection, parue initialement sur Xbox One en 2014, nous est finalement parvenue sur PC en 2019 et comporte tous les FPS de la série parus entre 2001 et 2012, en incluant tous les épisodes développés par Bungie, mais aussi le premier opus de la série développé par 343 Industries, Halo 4. Si vous n'avez jamais joué à Halo, que vous souhaitez comprendre pourquoi cette série a marqué les esprits, et que vous voulez savoir si la Master Chief Collection est un bon investissement, vous êtes au bon endroit. D'abord, il faut savoir de quoi on parle. La Master Chief Collection est un pack qui comprend 6 jeux Halo. On y retrouve les 5 FPS développés initialement par Bungie, avec la trilogie originelle Halo Combat Evolved de 2001, dans sa version Anniversary de 2011, Halo 2 en 2004, dans sa version Anniversary de 2014, et Halo 3 en 2007, mais aussi les spin-offs avec Halo 3 ODST en 2009 et Halo Reach en 2010. Pour compléter le pack, on retrouve également le premier opus de la trilogie de 343 Industries avec Halo 4 de 2012. Tous les softs présents fonctionnent sur PC grâce au travail conjugué de 343 Industries et des deux spécialistes du portage, Saber Interactive et Certain Affinity, avec à peu près tout le contenu additionnel des softs et même quelques options pour augmenter la difficulté avec des challenges spécifiques à remplir. Pour le reste de la série Halo, vous ne trouverez pas la suite d'Halo 4 avec un Halo 5 Guardians de 2015 encore exclusif aux consoles et le tout dernier opus Halo Infinite paru fin 2021. Notez également que vous ne retrouverez pas les jeux dérivés de la série comme les jeux de stratégie en temps réel Halo Wars 1 et 2 entre 2009 et 2017 d'Ensemble Studios et de Creative Assembly ainsi que les top-down shooters Spartan Assault et Spartan Strike entre 2013 et 2015 de Vanguard Games. Comme je le rappelle dans ma rétrospective sur Halo Combat Evolved, les Américains de Bungie se sont fait connaître avec des FPS sur Mac, de Pathways Into Darkness de 1993 à la série Marathon entre 1994 et 1996, avant de s'essayer à la tactique avec Myth entre 1997 et 1998, pour enfin tâcher de révolutionner le FPS sur console avec l'aide de Microsoft, à une époque où le FPS a déjà connu son âge d'or, de Doom à Half-Life. Le succès est incroyable, chaque jeu Halo étant vendu à plusieurs millions d'exemplaires, avec un univers peuplé de produits dérivés, des romans au machinima. La trilogie originale terminée, avant que le spin-off et le préquel soient achevés, la lune de miel entre Bungie et Microsoft s'achève en 2007. Sans avoir les tenants et aboutissants de cette rupture, on note la volonté de Bungie d'arrêter de continuer leur franchise à succès, pour se concentrer sur ce qui deviendra Destiny, avec un deal pris avec Activision Blizzard après Reach. Du côté de Microsoft, la franchise reste sous leur contrôle, et le studio 343 Industries est créé en 2007 pour s'en occuper. Ils sortent des mini-films avec Halo Legends, la version Anniversary du premier opus, paru en 2011, et c'est à eux qu'on doit notamment la Master Chief Collection, paru initialement sur Xbox One en 2014 et finalement en 2019 sur PC. Depuis, ils développent tous les FPS Halo depuis Halo 4, dans 2012. La trilogie originelle, composée d'Halo Combat Evolved, d'Halo 2 et d'Halo 3, est celle qui permettra de vous lancer dans l'aventure Halo de la meilleure des façons, pour tester le gameplay particulier du soft et s'immerger dans l'histoire comme au début des années 2000. Les deux premiers sont d'ailleurs entièrement refaits avec le moteur de Saber Interactive, qui superposent leur Cyber 3D Hybrid Engine avec le moteur originel Blam, d'où le fait que vous pouvez switcher quand vous voulez entre les deux moteurs. Cette trilogie a eu un succès croissant, a révolutionné le FPS sur console, n'a jamais été dépassée par ses concurrents dits Halo Killer comme Killzone et Resistance, et a assuré à Bungie et Microsoft des recettes importantes, avec plusieurs millions d'exemplaires vendus à chaque sortie et des critiques très positives de la presse. Allons maintenant dans le détail. Le premier opus, Combat Evolved en 2001, appelé ainsi pour montrer qu'on essaye de révolutionner le FPS, est un hit.
histoire mystérieuse à base de Halo, de civilisation extraterrestre ou d'un mal ranimé, emmène le Master Chief, dirigé par le joueur, dans une aventure qui l'emmène dans différents terrains et structures, accompagné de son IA Cortana et d'une poignée de soldats qui ne font généralement pas long feu. La musique iconique de Martin O'Donnell et Michael Salvatori accompagne cette trame tandis que le joueur découvre l'action. Deux armes à choisir parmi une multitude d'armes à feu, à énergie ou à plasma, de bonnes sensations, même à la manette, des ennemis aux attitudes différentes, allant des grunts qui hurlent aux élites, en passant par les drones Forerunner et les immondes créatures du Flood, un déplacement lent au saut lunaire, la triade grenade, coup de crosse et tir dans le tas, et le système cumulé de boucliers qui se régénère avec de la santé, avec également la présence de différents véhicules. Comme je l'ai dit dans ma rétrospective, c'est du bon, à l'exception d'un level design répétitif, dû à l'urgence de finir le jeu. La version Anniversary permet de réinventer les décors et les graphismes, mais aussi les sons et la musique, pour profiter au mieux de l'opus originel, avec la possibilité, comme je l'ai dit, de passer d'un moteur à l'autre en un clic. Paru en 2004, et malgré une publicité à l'E3 un brin mensongère avec un niveau entier présenté qu'on ne retrouve absolument pas dans le jeu, Halo 2 améliore de nombreux points. Plus d'ennemis, avec notamment l'ajout des brutes, plus d'armes, dont l'amélioration de l'arsenal humain avec différentes mitraillettes ayant un poil plus d'impact, et le retour de l'akimbo permettant de porter deux armes à une main à la fois, volée au lointain marathon, et aussi plus de véhicules, la fin de la santé, remplacée uniquement par le bouclier rechargeable, et une musique plus variée qui alterne entre différents styles, même si cela fait parfois un étrange patchwork. L'histoire, quant à elle, prend son envol en nous faisant jouer les deux côtés du conflit avec une série de cinématiques qui nous immergent dans l'ambiance et nous en apprennent un peu plus sur le monde aux commandes du Master Chief et de l'Arbiter. La variété est de mise et on ne retrouve pas l'extrême répétitivité d'Halo Combat Evolved malgré la structure d'Halo 2 sur gros rail. Mais le jeu est aussi très difficile, surtout en légendaire avec des situations impossibles et des snipers qui nous aligneront assez facilement au milieu des vagues d'ennemis. Le gameplay un peu plus dynamique et la variété des situations nous permettront en tous les cas d'aller dans des temples sous-marins, chez les Covenant, sur la Terre et j'en passe, avant de finir sur une fin très décevante pour les joueurs de 2004, en forme de cliffhanger, nous emmenant au troisième opus. La version anniversaire fait ici des miracles, avec non seulement des graphismes améliorés et des musiques réorchestrées, mais aussi des cinématiques entièrement refaites, mettant en valeur les soubresauts du scénario, principal moteur de votre avancée dans le jeu. Le troisième opus conclut la trilogie pour le Master Chief. Cette fois, on met le paquet. Les graphismes prennent un sacré coup de polish, avec de la végétation luxuriante, et les séquences épiques se multiplient, avec plus de soldats qui vous accompagnent dans vos pérégrinations guerrières, à pied ou en véhicule. La bande-son fait également un tout petit peu moins de folie que dans le deuxième opus, mais du même coup un peu plus oubliable. Les niveaux sont moins sur rail, avec des environnements plus ouverts, permettant l'utilisation de divers véhicules. Le rythme est également bien meilleur, changeant du level design répétitif du premier ou des vagues d'ennemis du second, avec toujours une bonne variété de lieux à visiter, de routes en Afrique aux entrailles horrifiques du Flood, en passant par divers temples mystiques et structures Covenant, toujours en course pour finir le scénario avec ses multiples rebondissements. On note l'apparition des armes de soutien comme d'énormes mitrailleuses qu'on manie en vue troisième personne, et les premiers outils de soutien comme par exemple le déploiement de petits boucliers. Contrairement à ces deux aînés, Halo 3 ne propose pas de version anniversaire, ce qui fait qu'on est en deçà des graphismes des deux précédents opus, mais on reste sur quelque chose de propre pour un jeu sorti en 2007. C'est le dernier opus dans lequel figure le Flood, et la dernière aventure de Master Chief par Bungie, le personnage se retrouvant à l'honneur de la nouvelle trilogie de 343 Industries. Comme je viens de vous le dire, la trilogie originale vous embarque pour près de 25 heures de jeu épique, avec un gameplay et un level design qui s'améliorent drastiquement au fil des épisodes, tout en gardant les fondamentaux,
avec des versions anniversary qui rendent toutes ces heures agréables, quoique un brin répétitif par moment. En 2007, Bungie annonce son départ de la franchise, mais en attendant que 343 Industries prenne la relève, ils ont deux jeux à faire. Ils vont ainsi s'essayer à deux opus à la tonalité légèrement différente. Moins révolutionnaire, ces softs donnent l'opportunité d'étendre l'univers d'Halo. Les humains sont à l'honneur dans Halo 3 ODST, ODST étant le sigle des Orbital Drop Shock Troopers, les soldats d'élite de l'United Nations Space Command, la faction humaine de l'univers. Situé entre le 2 et le 3, l'intrigue repose sur une escouade d'ODST dispersée dans la nature et qui doivent se retrouver, portée par un trailer en live action qui fascine alors les joueurs, alors même que 343 Industries travaille sur une série de films d'animation. Le jeu en lui-même, qui se boucle plutôt rapidement, sort de l'ambiance épique et dramatique de la trilogie originelle, avec une ambiance jazzy mélancolique pendant qu'on dirige le rookie de l'escouade dans une ville dévastée en pleine nuit, à la recherche d'indices sur ce que votre équipe a pu subir au milieu de patrouilles Covenant, dans un monde où vous vous sentez bien seul. Les flashbacks, eux, vous emmènent dans les phases d'action pour vivre la vie de ces fameux ODST, et c'est là peut-être que le bât blesse. Il n'y a pas d'énorme différence entre le gameplay humain et le gameplay spartan. Le joueur enchaîne les brutes à main nue ou avec ses armes, en sautant peut-être un peu moins loin, et alors que l'ambiance particulière entre les recherches de nuit et les flashbacks permettent d'élaborer une tension dramatique prête à se nourrir des pertes de l'escouade, le joueur est finalement déçu de voir que cette tension dramatique est à peine développée dans une histoire sans aucun sacrifice qui est finalement plus une aventure épique qu'un récit dramatique, empêchant de ressentir ce que pourrait être la morosité de la vie d'un humain face à des légions Covenant. Sinon, on retrouve le système santé et bouclier, mais aussi un mode de vision nuit plutôt immersif. Au-delà de ça, malgré son ambiance jazzy unique, le soft se finit plutôt vite. Halo Reach est finalement le dernier soft de Bungie et se donne un objectif important, être le préquel d'Halo Combat Evolved. On se retrouve ainsi dans les bottes d'un autre Spartan que notre Master Chief, Noble Six, dans une escouade de Spartans aux caractères différents, pendant qu'on assiste à la perte de contrôle de la planète Reach au milieu de moult sacrifices. Le gameplay n'évolue pas vraiment, même si on note quelques lieux sympathiques, d'un entrepôt aux hauteurs d'une ville en passant par une petite virée originale dans l'espace. Le jeu rajoute également des modes d'armure aux compétences uniques, et c'est notamment un de ces modes-là qui signe l'arrivée du sprint en jeu. Le principal point négatif du jeu, outre le fait qu'il se finisse plutôt rapidement, est le surplus de tension dramatique. Les sacrifices sont constamment présents, mais pourtant les relations entre les Spartans ainsi que les relations entre les Spartans et les autres personnages sont très peu développées. Cela rend les pertes beaucoup moins impactantes que ce que le jeu veut nous faire comprendre avec sa musique triste. C'est bien dommage. La phase Bungie étant terminée, c'est sur les épaules de 343 Industries que se repose désormais Microsoft. Halo 4 est ainsi le premier soft complet réalisé entièrement par eux. Prenant la suite de l'histoire de 2007, le Master Chief reprend du galon pendant qu'il émerge d'un long sommeil et se retrouve sur une mystérieuse planète. Le Flood a disparu, une partie des Covenant est redevenue des adversaires acharnés de l'humanité, et les Forerunners ne sont plus des humains, et se dotent de nouvelles unités artificielles avec leurs propres mécaniques, comme ces satanés drones boucliers qui fuient quand vous leur tirez dessus, et leurs chevaliers qui se téléportent sur vous. Le tout avec de toutes nouvelles armes, avec des visuels et des sensations sympathiques. Les graphismes ont pris un sacré coup de polish par rapport à Reach, et l'histoire reprend son rythme, avec cette fois des relations plus conflictuelles entre John, notre bon vieux Spartan 2, son IA Cortana malade, et surtout les humains, avec le capitaine Andrew Del Rio ou encore les nouveaux Spartan 4. La musique, cette fois composée par Neil Davidge, est plus électronique que jamais, marquant un changement clair de direction par rapport aux compositions des épisodes précédents. Au niveau du gameplay, c'est du terrain connu, à l'exception du rajout du sprint, qui a divisé les fans sur la question de la pureté du gameplay. Pour ma part, je suis un peu trop jeune dans la série pour être traditionnaliste, je n'y vois donc pas un grand changement, du moins en solo.
Les lieux sont en tous les cas plutôt impactants, que ce soit dans les immenses ensembles Forerunners, dans votre immense véhicule humain, ou encore dans la jungle. Si vous en voulez plus, les Spartanops vous emmèneront dans une série de missions, portées par des cinématiques sympathiques, faisant le lien entre Halo 4 et Halo 5, malgré des phases de shoot peut-être un peu génériques. Quarante heures plus tard, la Master Chief Collection a délivré son dû. Refaire vivre la saga Halo sur PC de 2001 à 2012 à travers les jeux de Bungie et le premier soft de 343 Industries. Vous pouvez accéder sans problème à tous les jeux, qui sont jouables sans souci, à l'exception peut-être de sous-titres en jeu manquants, hors cinématique pour ceux qui veulent jouer en version originale. Les versions Anniversary des deux premiers opus sont sublimes, Halo 3 conclut avec fracas la trilogie, les spin-offs sont originaux sans révolutionner la formule, et Halo 4 tâche de créer une nouvelle aventure. Dans tous les cas, découvrir Halo n'a jamais été aussi facile qu'avec cette collection. Il est probable qu'à la fin, vous compreniez l'engouement qu'ont les joueurs pour cette franchise et pour son gameplay très particulier pour un FPS à base de sauts aériens, de coups virils, de grenades multiples et de tirs choisis pour casser boucliers et santé. Le multijoueur est également de la partie, du premier opus à Halo 4, avec encore du monde pour jouer sur les cartes iconiques. La collection n'ajoute donc aucun défaut à ceux inhérents au jeu proprement dit, et est un bon investissement historique pour les fans de la série ou ceux qui souhaitent enfin la découvrir. Je note donc ce jeu, nostalgie de science-fiction sur Spartan énervé. Au-delà de cette Master Chief Collection, la série Halo ne s'est évidemment pas arrêtée là. Outre ses produits dérivés, ses films, ses romans, sa série qui sort en mars 2022, la somme cumulée des jeux Halo atteint en 2021 les 81 millions d'unités vendues. Depuis 2012, la saga du Reclaimer a accueilli Halo 5 Guardians en 2015 et Halo Infinite en 2021, tous deux plutôt bien accueillis. On n'oublie pas également que le jeu a investi modérément le STR avec la série Halo Wars et les top-down shooters avec Spartan Strike et Spartan Assault. Tous ces softs, à l'exception d'Halo 5, se retrouvent sur le Game Pass. Pour le futur, rien n'est encore prévu, mais la série est loin d'être achevée. Pendant ce temps, on notera que le créateur originel, Bungie, a fini son deal avec Activision Blizzard en 2019, avant d'être à nouveau acheté en 2022 par Sony. Leur poursuite dans la science-fiction ne laisse pas de doute.